les catastrophes peuvent survenir en tout lieu et en tout temps. Vous et votre famille devez toujours être prêts à toute éventualité. Les inondations peuvent survenir en région rurale ou urbaine et à n'importe quel moment de l'année. Saviez-vous qu'entre 1918 et 2018, plus de 300 inondations majeures ont été recensées au Canada? En général, les coûts reliés à un sous-sol inondé s'élèvent à plus de 40 000 $. L'eau peut s'infiltrer dans votre maison par une fenêtre, déborder de la toilette lors d'un refoulement d'égout et même pénétrer par des fissures au sol ou dans la fondation. Préparez un plan. En cas d'inondation, vous devrez peut-être évacuer votre maison ou y rester pendant plusieurs jours ou semaines. Avez-vous un plan d'urgence pour savoir quoi faire dans cette situation? Vous devriez. Vous pouvez prendre certaines précautions pour vous assurer que votre famille et vous êtes prêts à parer à toute éventualité. Repérez le siphon de sol et déplacez les objets qui pourraient l'obstruer, comme des boîtes, des meubles ou des tapis. Protégez les objets de valeur en les rangeant dans des contenants étanches placés au-dessus du niveau potentiel de l'eau. Installez des puits de fenêtres et des couvre-puits sur les fenêtres qui se trouvent près ou en dessous du niveau du sol. Aménagez le terrain en pente pour éloigner l'eau de la fondation. Nettoyez vos gouttières une fois par année et orientez les tuyaux de descente en direction opposée à la maison. Faites attention quand vous circulez dans des endroits qui ont été inondés. Protégez-vous. Évitez de marcher et de conduire dans les zones inondées qui pourraient être plus profondes et dangereuses que vous le pensez. Assemblez ou achetez une trousse d'urgence. L'assemblage ou l'achat d'une trousse de préparation aux urgences est une étape très importante de la préparation aux urgences. Celle-ci doit contenir suffisamment de provisions pour subvenir aux besoins de votre famille pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines. En cas d'évacuation, n'oubliez pas votre trousse d'urgence. En prenant ces mesures de prévention, vous contribuez à vous protéger et à protéger les membres de votre famille. La Croix-Rouge canadienne vous encourage à vous préparer aux situations d'urgence. Pour en savoir davantage, visitez le www.croixrouge.ca/prêt.